le prix Nobel de la paix en 2001 pour son travail en faveur de l'ONU organisée et puis constitue. Ainsi, il est seul qui diminue l'escalade de la violence de la province de Dieppe en conduit depuis le 18 septembre au déplacement de 38 500 personnes. C'est un pays qui a eu des appels humanitaires de l'ONU. La province de Dieppe est touchée par le bombardement du régime de Bachar al-Assad et de son administration. On apprend ce matin que la Russie gagne ses aides dans ce hier, une violente attaque contre les oppositions rebelles au sud de la province. De son côté, la Turquie intensifie les contacts avec la Russie et l'Iran pour aider à la stabilisation de la situation dans la région d'Idlib. Les Philippines se préparent à être frappées ce vendredi par un typhon qui sera accompagné d'un rafale de vent atteignant 250 km/h et de pluie diluvienne. Le changement climatique a des effets sur la santé respiratoire, nuit aux poumons. Le changement climatique nuit aux poumons et quartier à l'arrivée aura des conséquences irréversibles sur la santé. Un congrès international de société qui se tiendra du 15 au 19 septembre à Paris en France. Durant le période de forte chaleur et bien chaleur et d'humidité élevée, le symptôme peut se déclencher chez les personnes asthmatiques. Les effets du changement climatique peuvent également être indirects. Les inondations fréquentes entraînent une augmentation du taux d'humidité et de moisissure dans les espaces intérieurs causant de l'asthme, de la rhume allergique et certaines infections respiratoires, déclarent ces organisations. En outre, la progression de la pollution de l'air en termes du niveau d'ozone plus élevé réduit la fonction pulmonaire et est responsable de plusieurs effets néfastes sur le système respiratoire indique-t-elle. On passe au sport du football et bien les deux premiers quarts de finale aller de la Ligue africaine. Les champions ce vendredi à 16h, le représentant du Nord-Oréa de Fnatin joue au stade 26 septembre contre Al-Ahly d'Égypte. Al-Ahly d'Égypte, le club de Fidjé, est sur le continent. Il finit toujours ce vendredi à 19h. D'Algérie joue contre l'Ida de Casablanca de Marc. Les 18 quarts finales auront lieu demain samedi. On aura à 16h 1er Agosto d'Angola contre le Kikistan Mazembe de la RDC à 19h. Le Tunisie contre l'école sportive du Sahel. Un derby 100% tunisien. Les matchs qui auront lieu le 21 et 22 septembre. Et puis le tour éliminatoire de la CAN 2019 de Sanchez contre la région où est-ce qu'elle se poursuit à Dakar du Sénégal. Et bien dans le bout de la Tunisie, hier pour le demi-finale. En plus d'un match contre le Cap-Vert et du Pato, la Guinée.